بسم الله الرحمن الرحيم الطبراني un des grands savants sunnites du 3e siècle de l'Hégire rapporta dans son livre Al-Mu'jam al-Kabir d'après Aïcha lorsque le prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam était en train de jouer avec l'imam Hussein alayhi salam l'ange Gabriel lui dit Atuhibbuhu ya Muhammad est-ce que tu l'aimes ô Muhammad Le prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam lui dit « Pourquoi n'aimerais-je pas mon fils ?» L'ange Gabriel lui dit « فَإِنَّ أُمَّتَكَ سَتَقْتُلُهُ مِنْ بَعْدِكَ » Ton peuple le tuera après toi. فَمَدَّ جِبْرِيلُ يَدَهُ فَأَتَاهُ بِتُرْبَةٍ بَيْضَاءَ L'ange Gabriel ouvrit sa main et lui donna de la poussière blanche en disant « Fi hadhihi al-ard yuqtal ibnuka hadha ya Muhammad » Dans cette terre, ton fils Hussein sera tué au Muhammad. « Wasmuha At-Taf » Le nom de cet endroit est At-Taf, Karbala. « Falamma dhahaba Jibril alayhi salam min inda Rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam » خرج رسول الله والتربة في يده يبكي. Lorsque l'ange Gabriel partit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam sortit avec la poussière dans la main, pleurant. Il dit à Aïcha, Ya Aïcha, إن جبريل عليه السلام أخبرني أن الحسين ابني مقتول في أرض الطف. Ô Aïcha, l'ange Gabriel m'a informé que mon fils Hussein sera tué en un lieu nommé At-Taf, Karbala. Wa anna ummati satuftatanu ba'di et que mon peuple deviendra aveugle après moi. Thumma kharaja ila ashabihi. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'en alla vers ses compagnons, dont l'imam Ali alayhi salam, Abu Bakr, Omar, Abu Dhar, Hudhayfa et Ammar, toujours en pleurs. Faqalu ma yubkika ya Rasulallah. Ils lui demandèrent, ô envoyé d'Allah, qu'est-ce qui te fait pleurer? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit, Akhbarani Jibril, أن ابني الحسين يقتل بعدي بأرض الطف. L'ange Gabriel m'a informé que mon fils Hussein sera tué après moi en un lieu nommé At-Taf. وجاءني بهذه التربة. Il m'a donné de la poussière de ce même endroit où Hussein sera assassiné. Aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam donna de cette poussière à son épouse Umm Salama et lui dit « Ya Umm Salama, إذا تحولت هذه التربة دما فعلمي أن الحسين أن ابني الحسين قد قتل » Ô Umm Salama, lorsque cette poussière blanche se transformera pour devenir sang, sache que mon fils Hussein aurait été tué. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.